Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a de jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratte, gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Ah, ils ont menti, hein. Ils ont dit que ça sortait le 13, c'est finalement sorti le 14. Eh, franchement, les mecs, ils sont même pas capables de... Ouais, c'est ça, il y a le fameux truc, un jour libéré, voilà, et tout. Donc, bon, je mets le rideau. Voilà, comme ça, c'est bon. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin, on se retrouve pour la suite de Batman. Cette fois-ci, on va s'attaquer à l'épisode 5, la ville de lumière achetée et installée, la bataille pour le contrôle Gotham redouble d'intensité et atteint son point culminant lorsque Bruce se découvre une nouvelle raison d'être et que Batman est poussé dans ses derniers retranchements dans son combat acharné pour établir l'ordre. Ah là là, je suis au courant, pas beaucoup hein, dans l'épisode, juste ce qu'on voit dans le thriller et tout, mais je vais rien vous dire. Et sinon je suis avec mes deux chats, il y avait le blanc avant, hein, et il y a la Pinou qui n'est pas là mentalement, mais ça doit faire bien des années qu'il n'est plus là mentalement. Et il y a Bobo qui se cache. Il se cache les yeux, hein, le Bobo. Allez, on commence. Perdons pas plus de temps. Previously on the Mentalist. Non, c'est pas ça. Ah, j'ai entendu le blanc descendre de quelque chose. Tu l'entends, ce gros balourd, il fait poum. Ah là là. Dédicace à Antoine. Check ça. It's obvious that's why Vicky hates you. Your dad helped bump off her parents. Why would my father have the Vales killed? I never said he killed the Vales. She was born in Arkham. Victoria Arkham. So where are you gonna go? I've got some other business I need to take care of. Bon, j'espère qu'ils ont réglé le problème de sous-titres qu'il y avait dans l'épisode 4, quoi. Non, mais parce que l'épisode 4, j'y ai joué 2 ou 3 semaines après sa sortie. Et il y avait encore des problèmes dans les dialogues, hein. Plein de dialogues en anglais. Our Lady Arkham's drugs destroyed. That's what a leader does. Ah bah, a priori, ils ont réglé le problème. Oh, you psycho! No, you can do whatever you want to me. The Lady Arkham's plans are already in motion. Ça me fait rire, sachant que je joue le lendemain de la sortie internationale. Et là, ils se sont mieux foulés pour les sous-titres. Alors que, comme j'ai dit avant, c'était 2 ou 3 semaines après l'épisode 4, et vous avez vu, hein, vous avez pu constater. Hein. Heureusement que je suis plus une grosse bite en anglais, je suis juste encore un peu médiocre, en fait. Mais, je m'en sors déjà mieux. Mais c'est pas mal, parce que sinon, j'aurais été dans la merde. Hein. Et toi, t'as une bonne face. C'est quoi ce rire Omar Sy-esque? Bon, donc la dernière fois on a choisi de se concentrer sur le pingouin. Donc là maintenant faudra se concentrer sur Harvey Dent. Et suivant sur qui on s'est concentré, on commence dans un endroit différent là dans cet épisode. Et dans la bande annonce que j'avais vue internationale, c'était centré sur le pingouin. Tu sais, sur le scénario où on s'est centré sur Harvey Dent, ce que j'ai pas fait. 5 jours plus tard, comme d'hab, Jack Ryder, il est jamais sous-titré, personne ne l'aime, hein, c'est parce qu'il a un nez de juif. Ah non, c'est bon. Oh ben Gordon, qu'est-ce qui se passe? Meanwhile, his opponents are routinely silenced. The latest to speak out is Police Commissioner Grogan. He called Dent a murderer and a terrorist and demanded his immediate resignation. In response, Dent's enforcers attempted to arrest Grogan, sparking violence inside the precinct. These are dark days in Gotham. Our mayor promised us a better city, but delivers only more violence. How long do we let this two-face stay in power? How long can we... C'est déjà le chaos. Excuse me, you can't be in here. Hey, you can't do this! Shut up! Let me go! Hey, stop! Time's up! You should have known better, Gordon! Heureusement, Gordon m'a appelé. Donc je leur pète un peu la gueule. Just try me. You punks.
Abracadabra! Ouais, Pinou. Pinou, tu descends, mais tu fais plus chier. Tu fais pas chier. Allez! Attends, il faut que je vous remette en main, ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Bon. Voilà. J'ai appris tous les sports du monde, je suis Bruce Lee encore. Just in time, Batman. C'est ce qu'on me dit souvent. Mes ex aussi. Apparently, our new mayor doesn't care much for dissent. He's ordered a purge of every honest cop we have left. Ah, il y a encore des problèmes. Which isn't many. Dent is a sick man. He needs to be stopped before he hurts anyone else. Well, maybe you can get him some therapy. After you stop him tearing the city apart. Gordon, t'es classe avec ce fusil à pompe. Commissioner's still down there. Oh. Eh ben putain, des choses à régler. Et c'est Elena qui nous a abandonnés. Elle m'a déçu sur ce coup-là. C'est ces putains de chats, hein. Ils se cassent toujours quand on a besoin d'eux. Follow my lead. Le mec, il a la tête bien visible. Logiquement, il devrait se faire abattre, hein. Vous avez fait gaffe. Pam! Alors toi, t'as pas appris les ordres de mission, clairement. Tiens, voilà. In the lobby. The commission... Moi, je tue. Ah, Gordon, il est badass, hein, il tue, lui. Hein. Je suis commissaire Gordon Castle. Je suis James Castle. On va sauver le commissaire Loeb. Non, c'est pas Loeb, là, oui. Parce que déjà, l'aube, on le sauverait pas. On ferait genre qu'on est arrivé en retard. Mais comme c'est pas l'aube, ça va. Piu-piu, piu-piu. C'est un petit piu-piu violet. C'est quoi ces commandos spéciaux, là? Donc là, on commence au commissariat. Et je devine que si on avait... On avait affronté Dan dans le précédent truc, ben il aurait pas eu tout ça, je pense. C'est logique. Oh, le combo finish. C'est de ça de jouer au héros. Ah là, le coup de grâce. You have to stop, Dent. T'es mort vite. Pourtant le cœur, c'est pas ici. The commissioner is he? God. Il faut bien que tu deviennes commissaire, Gordon. Désolé. He died a hero, giving his life for Gotham. I'm sorry, Lieutenant. This is not your fault. Ça sonnait badass, hein, ce qu'on a dit. Grogan was a good man, a family man. Grogan. Lieutenant Gordon. Gordon, come in. Sergeant Kelly, report. Là, si, y a encore des bugs. Mais là, je pardonne parce qu'on est le lendemain. He's got hostages, and he's killing them one by one until Bruce Wayne shows. He says, cops show up, he'll kill another. Batman shows up, he'll kill them all. Kelly, get out of there. Sir, I'll let the coin decide. Kelly, damn it. Get yourself to a hospital, Lieutenant. Piou! Moi, je suis piou-piou. Allez, piou-piou! Piou-piou! Désolé. Quoi, piou-piou? Vous êtes pas d'accord? Bah, piou-piou. Bon, allez, on va péter la gueule à Harvey Dent. Ça, on en oublie limite les trucs des chevaliers d'Arkham. Are you safe? Yes. I'm barricaded in the Batcave. I heard gunshots, but then Harvey's men disabled the cameras.
I have to face Harvey as Bruce Wayne. Pourquoi tous ceux qui me parlent à la radio parlent en anglais? Going as Bruce could be an advantage. Even without pursuit, you're a formidable opponent. I'll draw his focus from the hostages. Their lives are the priority. Just remember, your life is important too. I'll be standing by if you need me. It's time to end this, Harvey. Désolé pour les trucs en anglais. Mais bon. On va faire avec. J'espère juste pouvoir bien traduire les trucs à chaque fois, sinon je suis dans la merde. Ce qui laisse pas bien le temps, c'est dommage. Hein. Des fois, c'est un peu court, quoi. Un an plus tôt. I want to save for Gotham. A Gotham where working people can raise their families. No fear of being robbed or stabbed. Or worse. I know I can make the city better. If only I... Okay, I'll back you. Come on, Bruce. That joke is in poor taste. I'm serious, Harvey. I'll fund your campaign completely. I've lived in Gotham my whole life. And I've never seen an official I can believe in. Until you. Thank you, Bruce. I promise, I will not let you down. C'est pourtant ce que t'as fait, connard. Tu sais, là, il dit vraiment ça dans le passé. This election or next? We'll let the coin decide. Ah, ça c'est bien, ils ont gardé le truc que... Même avant d'être double face, il avait la pièce. Lucky. But someone has to die. Pas ma grand-mère. Volunteering, Deborah. Ah, on a enfin son nom à la secrétaire. Parce que je crois qu'on l'avait pas avant. Wayne. About damn time. Snipers, two of them. Get the drones online. I'll see what I can do. I wasn't sure you'd come. You weaseled your way out of the death you deserve. Like a coward. I came to help my friend, Harvey. I don't want your help. I want you dead. That is the sickness talking. And I know you're in. Moi, je jouais le vrai pote. Wait. What am I saying? I've tried to fight it, Bruce, but I can't. Bruce, I only ever wanted to help Gotham. And now look at me. I can't stop him. I've known you a long time, Harvey. You are stronger than your demons. I could always count on your friendship, Bruce. Until what happened with Selina. This city needs to be purged of people like you. All of you! Traitors. Terrorists. J'adore, il y a un mec des chevaliers d'Arkane, c'est drôle. No, please. This is what happens to people who cross me, Wayne. You were the fiercest DA the city ever had. Someone who fought for people's dreams. So much for a safer Gotham. You're right. This isn't me. Go. On va essayer de le convaincre. J'ai réussi à convaincre Selina de coucher avec moi. It's not up to me. Deborah. My not-so-faithful assistant. You've been feeding my enemies info since the start! I swear I... Beg all you want, but it's not up to me. Your life, his life, even my life. They all hinge on chance. I didn't do it. You have always known right from wrong. I am begging you. Oh, God. What did I do? What did he make me do? Now, Bruce! Stay back! Oh, God, please don't. Harvey, no more. No more? I'm just getting started!
This is the only way to keep people in line. Harvey, no! This is not who you are! You once said you wanted a better Gotham. Is this what you had in mind? Oh, I wanted so much for this city, Bruce, but I failed. We were good friends once, Bruce. I'm glad you're here. At the end. Maybe you can remember me the way I was before. Before him. Bruce, I need the result. Drop the damn coin! Without the coin, I can't... If you insist. Bruce. I don't know what to do. I can't decide. It's too much. It's too much. I can't. A safer Gotham, Harvey. Just like you wanted. Oh, c'est beau. Eh, j'en ai sauvé. Eh, mon beau score, hein. T'as vu combien j'en ai sauvé? T'as vu, je les ai tous sauvés, tous ceux qu'on pouvait sauver. It's all over for me. You should have let me pull the trigger. Done me and all of Gotham a favor. I still have hope for you, Harvey. You'll have the best doctors. Yeah. Sure, Bruce. They can't stop him. No one can stop him. J'ai encore espoir en toi. C'est le truc le meilleur à dire, hein. Je trouve. Mr. Wayne. I owe you so much. Merci, tu deviendras un personnage important normalement plus tard. You should be rotting in Arkham. Lady Arkham hasn't forgotten you. Everything you love will burn. Aha! Tu bluffes, Martoni, je sais que t'es pas mort. Ah, il bluffe. Mais oui, il bluffe. Dites-lui qu'il bluffe. Allez, c'est l'épisode Batman. Ah, bah ça commence bien, on a arrêté Dent. Dès le début. On est bon. Bon, bah Jack Ryder, il va nous dire que du bien de nous hein, dans les trucs. On a hâte de voir ça, hein. Il a intérêt à le dire. Hein. Hein, sinon je lui fais pas confiance. On est d'accord. Ah putain. Ah, avec un peu de chance, on va sauver à la fois Bruce Wayne et Batman. Your tea and the entire pantry, I'm afraid, didn't survive the fire. This is Par contre, je révélerai pas ma vraie identité. Quoique. On verra suivant comment c'est présenté. Quand ils nous laisseront le truc, mais normalement il y aura un choix comme ça. Only ones that took a hit while Mayor Dent was in power. Well, at least you've ensured Harvey won't be hurting anyone else. Bruce, these last few weeks, I worry about the toll they've taken on you. Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days. Not just the physical toll. Those were men you once trusted. And after finding out what you did about your father, people must seem a great disappointment to you. Always letting you down, even those whom you admire. Not all people. You've never disappointed me, Alfred. But I have. Everything that happened, I could have stopped it if I'd done something all those years ago. This is my fault. All of it. I told you I wanted to leave your father's employ. But if only I had the guts to do something instead.
Your mother, she wanted that. Wanted to put an end to his crimes. If I'd helped her, if I'd stopped Thomas, none of these horrors would have occurred. Lady Arkham, Oswald, even Harvey. I don't blame you for what happened, Alfred. You did the best you could in an impossible situation. And it helped to make me the man I am today. I... Thank you, Bruce. Allez, un petit câlin, papy. Our work isn't done. Désolé. The children of Arkham are still out there. Avouez, on a envie de lui faire un petit câlin, Alfred. With both Penguin and Mayor Dent off the board, she's the only remaining piece. We need to. Mais je suis pas convaincu. Je suis sûr que c'est quelqu'un d'autre sous le masque. On l'a jamais vu enlever le masque. On l'a juste vu nous piquer. Ça veut rien dire. Finally log into Wayne Enterprises and see exactly what Oswald was doing during his time in charge. If I cross-reference that with all the data we have on Vicky Vale, we might be able to figure out the children of Arkham's next move. Ouais, mais d'abord il y a des mises à jour. Alors l'actualité de Gotham. Des dizaines de victimes potentielles dans une énorme offensive policière. Dans la nuit dernière, le centre de Gotham City a tremblé sous l'effet de l'explosion d'une énorme bombe posée par l'unité spéciale du maire d'Arsenal. L'assaut d'un repère des enfants d'Arkham explosion. Plusieurs victimes ont été déclenchées par le que les pompiers ne sont toujours pas venus. Sur la police, le maire Dent a juste au propre chef en ordonnant l'attaque. En réalité, le GCPD a seulement pris conscience de l'explosion lorsque le standard était statué. Depuis l'urgence, le commissaire Gorgan n'a pas pu. Le maire Dent saisit le domaine Wayne. Les annonces télévisées choquantes, le maire Harvey Dent a annoncé que le manoir et le domaine Wayne seraient saisis par Alexander Dent. La saisie est nécessaire pour aider à financer les efforts continus des forces de l'ordre. Ouais, y'a que la merde. PDG de Wayne Enterprise, Cobblepot a arrêté. Le PDG de Wayne Enterprise, Oswald Cobblepot, a été arrêté par la police de Gotham City suite à une altercation avec justicier Batman au Wayne Building dans le centre de Gotham. Sur les sources proches de Wayne Enterprise, Cobblepot se servait des fonds d'entreprise pour soutenir le groupe terroriste connu sous le nom des enfants d'Arkham. Les activités des enfants d'Arkham sont apparemment menées, Batman à Wayne Enterprise où la complicité de Cobblepot a été révélée. Cobblepot reçoit des soins au général et demain en état d'arrestation. Ce matin, Wayne Enterprise a publié un communiqué de presse annonçant la destitution de Cobblepot de ses fonctions par un vote unanime du conseil d'administration. On pense que ce dernier avait nommé Cobblepot PDG de Wayne Enterprise afin de sauver l'image de l'entreprise. La suite au truc. Ouais. Le commissaire du GCPD a abattu par les émissaires du maire. Dans le dernier scandale qui frappe Gotham City, les émissaires du maire Dent ont abattu le commissaire de police Grogan. Les rapports indiquent que les membres du service de sécurité de maire ont tenté d'arrêter le commissaire suite à sa déclaration exigeant la démission du maire. La police Gotham City est intervenue menant une importante fusillade entre la police et les émissaires de Dent. Le commissaire Grogan a reçu un tir mortel et plus d'une dizaine de blessés ont été hospitalisés. Puisque récemment, le commissaire Grogan avait toujours refusé de se prononcer sur la militarisation des services de sécurité du maire Dent. Cependant, le maire Dent, meurtrier terroriste. Ouais, il faut jamais traiter de double face de ça. Alors le codex, il y a plein de nouveautés. Alors qu'est-ce qu'on a ? Alfred. Le manoir est en ruine, mais Alfred et Den, cet homme est indestructible. Je regrette d'avoir laissé ma demeure sans protection quand je suis parti à la poursuite d'Oswald. Mais même barricadé dans la Batcave, Alfred a pu m'aider à vaincre Harvey. Nous avons encore du travail quant à mon père et aux émotions complexes que ça suscite, mais dans l'immédiat, nous devons nous concentrer sur les problèmes à venir. Voilà. C'est un mec sympa. La longue campagne, putain, je sais pas parler aujourd'hui, hein. Le sanguinaire d'Harvey Dent pour sauver Gotham d'elle-même ne se termine pas en fanfare mais dans la douleur. L'ami que je pensais capable de faire des miracles dans le bureau du maire est lui-même devenu une victime. Étalé sur le sol à quelques pas seulement de l'endroit où je lui avais apporté mon soutien face aux électeurs, oui, c'est une tragédie mais à laquelle nous avons enfin mis un terme. J'ai bien aimé la séquence où il balance la pièce. Ah, c'était génial, franchement. Je trouve. Ah, Céline, pas de nouvelles. J'avais réussi à convaincre Céina de rester un peu avec moi, mais les derniers excès de colère d'Harvey l'ont fait fuir la ville pour de bon. Elle pense qu'Harvey a pété les plombs parce qu'il nous a vus ensemble dans son appartement, mais je crois que c'est bien plus compliqué que ça. Quoi qu'il en soit, je sais pas où elle est allée, ni même si je la reverrai un jour. Son départ a fait naître des émotions troublantes, c'est plus compliqué que ce que je l'aurais imaginé. T'es amoureux, mon petit Bruce. Désolé.
Je pensais devoir arrêter Oswald. J'ai préféré protéger ma technologie et préserver mes secrets. Et à cause de ça, j'ai laissé Harvey Dent brûler ma demeure. Chaque action a un prix. Mais même estropiés, j'ai pu les traîner tous deux devant la justice. Et maintenant, la question que je dois me poser, puis-je en faire de même avec Lady Arkham? Bonne question. Alors, le commissaire. C'est vraiment étrange de combattre aux côtés de Jim Gordon dans les couleurs du quartier général de GCPD. Nous avons combattu ensemble auparavant, mais je n'aurais jamais cru que nous ayons à nous battre là-bas. Même blessé, je m'attends à ce qu'il récupère entièrement. Il le faut. Maintenant que le commissaire Grogan est mort, quelqu'un doit prendre voilà, la tête des forces police. Gordon est l'homme idéal. Sans déconner. Vicky Vale. Maintenant que son meilleur lieutenant a été écarté, plus rien ne m'empêche de mettre un terme au plan de Victoria une bonne fois pour toutes. Mais où est-elle? Que manigance-t-elle? L'horloge tourne et je dois savoir ce qu'elle compte faire et vite. Pas encore le coup du monorail. Hein. René Montoya, elle est retour dans les rangs et j'en suis ravi. Il y a du travail avant de remettre Gotham sur pied. Plus on aura de bons flics comme elle, mieux ce sera. Ah lui, c'est Fox, qu'il devient lui? Parce qu'il est censé être au manoir, mais on le voit pas au manoir. C'est ça le plus con. Lucius est vraiment la meilleure personne pour développer mon arsenal. Maintenant, je dois juste m'assurer qu'il ne tombe plus jamais entre de mauvaises mains. Normalement, j'en assumerai toute la responsabilité, mais j'apprends, j'ai besoin de Lucius pour créer ses outils pour m'aider à les protéger. Ah, pour le moment, il n'y a plus trop de bugs, là, au niveau des dialogues anglais et français, voilà. Vicky a perdu son meilleur lieutenant quand j'ai mis Oswald derrière les... des barreaux, mais elle se fait discrète où est-elle, comme universelle, ce n'est pas terminé, loin de là. Commissaire Grogan. Commissaire de police de Gotham City, le commissaire et moi-même avions nos divergences d'opinions, mais lorsque les choses ont dégénéré, il a prouvé qu'il était un homme bien. Il m'a sauvé la vie au quartier général JCPD, mais ça lui a malheureusement coûté la sienne. Cette guerre contre Lady Arkham et sa corruption a déjà fait trop de victimes, et il manque désormais un chef à la police. Je pense que Jim Gordon pourra endosser le rôle, mais a-t-il envie? En a-t-il envie? Alors... Ouais, comme si mes rapports avec la police n'étaient pas déjà assez compliqués comme ça, je veux faire face au lieutenant, en général, les grands ponts restent à l'écart des enquêtes quotidiennes, mais ce Grogan, sans pouvoir y fourrer son nez de nouveau concernant l'intrusion d'Hervé, ça y ressemble, selon moi. Eh ben non. Alors, la famille Vael, décédée. Vicky a tué ses deux parents adoptifs afin de cacher ses réserves de drogue. À première vue, ça a l'air d'être un acte froid et prémédité, mais l'aspect brutal secret me hante encore. Ce n'était pas seulement une manière de faire avancer ses plans et ses objectifs, c'était personnel, comme une vengeance. Bon, je ravale ma salive. Ma ville a été mise en dessus-dessous et pourtant, ses bâtiments sont toujours là. Ses citoyens déambulent toujours dans les rues et un jour, elle ne connaîtra plus la peur. Une seule chose se dresse en travers de mon chemin. Et elle s'appelle Lady Arkham. Oh, c'est ce que tu crois, mon petit Bruce, mais tu vas encore avoir plein d'ennuis. Tu vas avoir les Al Ghul, tu vas avoir, je sais pas, d'autres... Gueule d'argile, Poison Ivy. Ha, maintenant qu'Oswald est hors d'état de nuire, j'ai enfin repris le contrôle de Wayne Enterprise. Je m'attendais pas à un tel soulagement. Pas parce que la salle du conseil me manquait, mais parce que je sais que ma technologie ne mettra personne d'autre en danger. Ah, c'est peut-être parce que maintenant, Lucius est retourné au truc. Hein. Ce serait logique. Je devrais envoyer une lettre de remerciement à Oswald pour l'occasion, puisqu'il a merveilleusement bien démontré la vulnérabilité de ma technologie en termes de piratage. On a bien pris note de tous les problèmes et ce genre de négligence ne se reproduira pas. Merci, pigeon. Désolé. Identifiant du PDG de Wayne, dossier de l'IRCA. Vicky Vale, mid-30s, reporter for the Gotham Gazette. And not in the public record. Her true name, Victoria Arkham. To think she was here, in the manor. She gave nothing away of her true nature then. Vicky embraced this identity to follow through on her twisted crusade. Her mask inspires fear. Not unlike Batman. I just need to find her. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Of Arkham. Their symbol dates back much farther than their terrorist activity. They formed to get justice for those wronged at Arkham Asylum. But the message fell on deaf ears. Until they found a leader Gotham couldn't ignore. Nah. Gazette's records of the articles written by Vicky Vale. This record isn't complete. You're right. There are notable gaps between entries. But yet,
It doesn't seem she ever left the Gazette's employ. So what was she doing in that time? This record wouldn't be easy to alter. Seeing what Oswald was up to could give us a fresh perspective. Bon. On retourne, hein. Si on a aussi l'autre truc à voir. Putain, c'est génial ce siège, hein. Qui revient. Si seulement j'avais le même, à la maison. Your administrative access to Wayne Enterprises should have been reinstated by now, along with your title of CEO. Let's see what Oswald was doing. J'ai sauvé ma peau, n'empêche, hein. Je suis content. Master Cobblepot's sense of humor hasn't changed much since you were boys. Can we just see what he was doing? Ouais. Alors, surveillance des archives, on regarde ça. Having the surveillance systems across Gotham. Any building using Wayne Tech security could be spied on from the CEO's office. How is that any different than the back door into the Wayne network that he uncovered? That's not. Hold on. Ouais, mais ça, je vais voir à la fin. Oswald was trying to buy an island. What on earth for? Looks like he was using his new legal control of Carmine Falcone's assets. Ah, je suis sûr qu'on l'aura affronté sur l'île ou une connerie comme ça. It's some kind of. Si on l'avait pas arrêté. He was going to call it Falcone Island. We need to figure out Lady Arkham's next move. Of course. Falcon et Iceland, c'est... J'ai dépensé sans compter. Oh. Oswald certainly wasn't very frugal with my money. Ça va, c'est l'enchaînement. Yachts to return, it appears. Also explains how the children of Arkham had a seemingly endless supply of guns. Oswald was using Wayne money to arm them. Putain, Oswald altered several public records using the Wayne network. Alors, oui. Oswald manipulated my records as well. It would appear your degree was in sociology. And my medical records. There are some, well, but colorful diseases. Annoying, but not hard to fix. That's better. No surprise here, Oswald wiped away any trace of his criminal records. His background is completely fabricated. He was enrolled at Cambridge? Ridiculous. Calm down, Alfred. I'm sure the board realizes by now that they were fooled. All mention of her birth name, Victoria Arkham, is completely gone. Wait. What's this? He also erased something from Vicky's research at the Gazette. I can't tell what was removed from here, but Wayne Tech leaves a trace when it alters data. One the Bat Computer can decode. What is it Miss Vale wanted to hide? Bonne question. Bon. On va voir la sécurité. What do we have here? They did more than just look at these schematics. Every building in Gotham with a Wayne Tech security system can be accessed from here and remotely controlled. If Oswald was the brawn, Vicky is the brains. So let's check her file. She may have left clues about what she was using Oswald's access for. Okay, t'es sur pour établir son lien avec Vicky Vale. Ouais. Je fais quoi maintenant? Ouais. Oh, tu me fais un thé, s'il te plaît. Il y a quelque chose de nouveau? Now that we know how Oswald manipulated Vicky's records, the back computer should be able to. There. No more holes. C'est pas mal quand même. She was looking into Arkham patients, reviewing records, checking submissions. Le dossier du Joker. She was trying to figure out who was actually sick and who was committed because of Hill Falcone. Je suis sûr que c'est le Joker, le vrai méchant en fait. À moins que ce soit Alfred.
ou Gordon. On est capable de tout, là. Hein. Si Vicky Vale peut être le méchant, tout est possible. It's a list of targets. City Hall, Arkham Asylum, GCPD headquarters, Gotham First National. It's almost every landmark in the city. La cathédrale. We're on to something. Vicky wants to bypass the security at a Gotham landmark. But without a man inside Wayne Enterprises, she can't unlock that door remotely. She'll have to get her hands dirty. And when she does, we'll find her. Ta-na-na-na. Is it Lady Arkham? No, it's one of Lucius's prototypes. On the move. What? But Lucius locked everything away. Well, he needed a better lock. She stole from you? After we opened our doors to her. After all that you two... Alfred. Yeah, I know, Bruce, but... Why would she do this? Je peux enfin faire un choix. Is she that cold-hearted? That selfish? Maybe she's just messing with me. Some kind of joke. She broke into your office and stole valuable property. Was it a joke? She has an unusual sense of humor. Drôle d'humour. Computer visual. The prototype she stole. It's an electronic skeleton key. With it, you could bypass any security system made by Wayne. That key is far too dangerous in Miss Kyle's hands. Especially with Lady Arkham still at large. Get the car ready, Alfred. And Alfred, let Lucius know what's happened. I'm going to get some answers from Selina.